Écoutons les textes de ce samedi. Lu par la sœur Cécile Pizin, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jules Alloumont, de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Joël Marin, de la Société des Missions Africaines. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Chapitre 6, versets 13 à 16. Bien-aimé, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate, par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tâche, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu. Souverain, unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs, lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 99. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Alléluia, alléluia, alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole, le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la
piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elles, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans une bonne terre. Elle poussa et donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandèrent ce qui signifiait cette parabole. Il le déclara. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu, puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, ils ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont des gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les graines tombées parmi les ronces sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais leur progrès est étouffé par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et elles ne mûrissent pas. Luc chapitre 8, verset 14. Si nous lisons ce livre de Luc et ce à quoi il fait référence, nous ne sommes probablement pas ce sentier mentionné par Jésus-Christ dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, car nous sommes ouverts à la semence de la parole de Dieu. Si nous lisons régulièrement la Bible, nous ne sommes probablement pas ce terrain rocailleux, car nous avons persévéré à entendre la parole de Dieu. Ceci nous donne deux options claires. Soit nous faisons pousser des épines, ou nous sommes les épines elles-mêmes qui empêchent la semence de la parole de Dieu de mûrir. Soit nous sommes ce sol qui porte les fruits précieux et abondants de la parole de Dieu. Pour produire donc des fruits, nous devons désherber le jardin de notre vie et enlever, dans un premier temps, les soucis. Et Jésus lui-même nous a ordonné: cessez de vous inquiéter à propos des choses telles que mangeons-nous, ou que boirons-nous, ou
que devons-nous nous vêtir? Deuxièmement, les richesses. Le Seigneur nous a prévenus. Ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège. Ils se laissent prendre par des désirs insensés et nuisibles qui entraînent les hommes vers la ruine et la destruction. Première lettre à Timothée chapitre 6 verset 9. Troisièmement, les plaisirs de la vie. Le Seigneur veut que nous nous amusions parfois. Pourtant, nous ne devons pas vivre pour les plaisirs, mais pour lui, même si cela signifie que nous souffrions énormément. Alors que le Seigneur nous fasse grâce d'être ces sols qui portent de fruits en abondance. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24. En direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Voilà. Il est tombé dans la falaise. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.